Bonjour tout le monde, c'est Mirix. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre Let's Play sur The Witcher 3. Et donc aujourd'hui, nous allons aller dans Novigrad. D'accord, allons-y. On va continuer notre histoire. D'accord, si tu le dis. Regardez-moi ce magnifique village. Individu louche. Alors, vous aviez déjà vu dans le précédent épisode, pour ceux qui l'auraient pas encore vu, je vous invite à le voir. Un petit peu de Novigrad, voilà. Ah, tiens, un prêtre du feu éternel. Non. Oh là là. Si je fais ça. Qu'est-ce que tu fous? Ok, d'accord. Oh, on peut pas donner des sous aux mendiants. Je vais. Bon, bah, si tu veux même pas de mes sous, bah, je te laisse crever. Hein. Alors, on doit aller trouver un bateau pour Novi. Ah là là. Alors, le port, donc c'est ici. Non, pas de ici. Oh, bah, excusez-moi. Voilà, premier bateau, alors on va voir. Pour Skellige. Profiter de ramasser. Alors c'est une vraie. Il y a vraiment beaucoup de choses à ramasser hein, dans ce village. Ah, c'est magnifique, hein, franchement. Oui, ils s'en foutent. Ah, Captain, c'est à lui qu'on a parlé, je pense. Salut. Non, c'est pas lui. Ah, si. Vous êtes le capitaine de Sraphio. Qu'est-ce que ça peut vous faire? On va lui demander s'il peut aller à Skellige. Je dois me rendre à Skellige. C'est important. Vous savez nager? Parce qu'avec les pirates et les escadrons noirs, personne sera assez fou pour vous emmener là-bas. D'accord. Quelqu'un doit bien faire le voyage jusqu'à Skellige de temps en temps, non? Ouais, c'est possible. Ce bâtard de Wolverstone est capable de tout. C'est un menteur et un voleur qui vendrait père et mère pour un peu d'or. Et je le trouve où, ce Wolverstone? Ce poivreau passe son temps à picoler à l'esturgeon doré. Demandez la boutange, c'est son surnom. D'accord. D'accord, donc il flippe tout, du coup je vais tout piller. Hein? Vu qu'il ne veut pas m'y emmener. Est-ce qu'on peut sauter dans l'eau en mode... C'est sûr qu'il doit y avoir des squelettes ou des trésors cachés là-dedans. Mon père, il aime pas trop les verres. Non. Je suis un sorceleur. Que les démons vous enfantent. Quelle époque. Effectivement. Tu serais mieux au 21e siècle. Enfin, quoique. Avec toute cette pollution. Je sais pas. Oh ah ah. Pardon, laissez passer. Pardon. Hein. Oh, doucement. Hein. Panneau d'affichage. Si j'y revienne. Je crois qu'on le verra plus tard, ce si j'y revienne. Voilà, alors allons-y. Ah, c'est là. Ah, voilà. C'est vous, Wolverstone, le capitaine de l'Atropos. Atropos, capitaine du Wolverstone. Peut-être bien. On n'est pas la moindre idée là-dessus. Je dois me rendre à Skellige. Mon Atropos et moi, on mettra bientôt le cap sur Art Skellig. Avec du grain dans les cales. Mais...
Vous avez de quoi payer. non. Il n'est pas assez d'argent. Bah, trouvez-en de l'argent. Je suis pas là pour faire la charité, moi. Allez, au boulot. Allez donc, retrouvez le congénère dans les feux. Très bien, donc on doit se faire de l'argent. Du coup, on va faire des quêtes secondaires. Bah, ce sera un épisode spécial hein, entre quêtes secondaires et tout ça. Alors, est-ce qu'on peut se battre ? Maître Kletop vous salue, brave combattant. Oh, merci. Gérald vous salue également, Maître Kletop. Oserez-vous relever le défi et affronter notre champion ? Oui, si. Ouais, ouais. S'il est pas trop de haut niveau. Oui. Je veux me mesurer à votre fameux Georgius. Votre attention, s'il vous plaît. Ce brave sorceleur va défier le champion de la taverne, Georgius George, Marcopilon. D'accord. Pendant que notre champion se prépare, j'aimerais vous dire tout. Attention. Je vais être clair avec vous. Vous pouvez gagner gros si vous suivez quelques recommandations très simples. Ok. Vous voulez que je triche ? Tricher, Kelvin. Dis plutôt s'arranger entre amis. Ouais, on vient de se voir. Allez vous faire foutre. Vous allez le regretter. T'inquiète, je vais gagner. C'est bien fort, nos deux combattants qui vont s'affronter devant vous. Geralt et Georgius George, le Marcopilon. Ah. Le meilleur gagne. Il me fait penser à celui qui était dans Spectre. Alors j'espère qu'il est pas trop deep. Ouh le lag. Trop facile. En faisant les coups très forts, coups puissants. Et notre champion est Geralt le sorceleur. Tenez, voilà votre récompense. Vous pouvez défier Archibald O'Neill, un autre combattant. Vous le trouverez près de l'entrée des tonneaux. Vous pouvez aussi affronter Mortimer, le capitaine de la garde. Il est généralement en faction près de la porte d'Oxenfurt. Bah voilà. Qu'est-ce qu'il me veut ? Vite en de couronne, voilà. On a combien de sous ? En fait, on a rien, je pense. Ouais, 217, c'est bien ce que je disais, on a rien. Faut qu'on vende des choses. Y a un tavernier ? Oui, il y a un tavernier. Les gens ici. Voilà. Qu'est-ce que ce sera ? Montrez-moi ce que vous avez. Proposez-vous. Je l'ai déjà vu, lui. Ok. Ok, ça c'est pour les forgerons. Sandwich au jambon, ça c'est quoi? Lait de vache. On garde la bouffe parce qu'on en a pas beaucoup. Ça on va lui vendre parce que voilà, on n'a pas besoin de ça. Coquillage, peau de cochon. Un crâne. Vous pouvez les échanger contre des courants à la banque de Vivaldi. Imaginez, je vends ça, tu sais. On va tout lui vendre ça, voilà. De toute façon, de la peau, on va en trouver, hein. Voilà, en plus, ça nous permet de faire un peu de place. Ça, on peut rien. Il veut rien lui. Celle. Il l'achète pour 40 balles. Réfléchissons. Pour 40 balles. Bah allez, c'est valide. Ah. Ah, il a plus de sous. Ah, on a pas mal de sous. On a gagné pas mal de sous en fait. Non, on va pas faire une petite partie, il faudrait que j'aille voir les autres.
Alors, qu'est-ce qu'on a pour se faire des sous? Ah, les quêtes, voilà. Ah, donc, nous sommes ici à Novigrad, parfait. On va regarder nos quêtes. Qu'est-ce que j'ai de nouveau? Ok. Ah, waouh, regardez-moi comme c'est grand. Un forgeron. Un marchand. Ok. Non, quête, 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 quête. Cap sur Skellige, quête secondaire, Novigrad. L'engagé volontaire. Gwent. Gwent. On va faire bah, ça. Voir où c'est. Ça doit pas être trop loin. Ok. On va à pied. Hein. Alors attendez, juste parce que j'ai fait le conchon. Il faut que je place juste le truc. Ah bah non, c'est bon. Ici, voilà. Non. Non, où c'est? Excusez-moi, je sais pas où c'est. C'est. Ah mais c'est ici en bas. Ok, 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 c'est ici en bas, j'ai cru que c'était là-haut. J'ai cru que c'était là-haut. Là-haut on a aussi. Une taverne. Alors. Il y a plein d'individus louches. Hein. Juste vérifier un truc. Est-ce que j'ai boosté un peu trop les graphismes? C'est mieux comme ça, il me semble. Ouais ouais, c'est déjà un peu mieux. Alors, on va passer ici. C'est beau, c'est beau. J'ai cru qu'il avait plus de jambes, ok. Ah mince, c'est ce qu'on peut. Ah bah on a une quête ici, bah vous savez quoi, on va aller là. Atori. Comme dans Brawl. Ah là, Brawl là. Oh, je sais plus. Atori, il y a aussi une Atori. Bref. Ça, ce sera. Ouais. Qu'est-ce que vous servez? Des ravioles rédaniennes, spécialité de la maison. Je vous les recommande chaudement. Bon sang. Un fat guerne dans mon établissement. C'est impossible. Comment savez-vous que je suis sorceleur? Vous plaisantez? Qui d'autre utilise une lame en argent? Fabriquée à Mahakam, si je ne m'abuse. Et elle doit faire 40 pouces de long. 40 et demi. Ça reste impressionnant. Vous êtes un expert à l'évidence. Je suis Hébert Atori, ancien maître forgeron et présentement roi de la raviole. Ah. Gérald de Rive. Enchanté, Gérald. Que puis-je faire pour vous? Vous voulez goûter une de mes ravioles? Bah avec plaisir, on va être sympa. On va être gentil, hein. Il a goûté, fait pouah. Délicieux. Ah, content de l'entendre. Je peux faire autre chose pour vous? Je veux une épée. Je cherche un faiseur d'épée compétent. Ça vous dit quelque chose? 3 épées dans le dos? C'est pas un peu trop? Très drôle. Mais blague à part, vous ne vendez plus d'épées? Rarement. Je suis dans la raviole maintenant. Faut bien vivre. Mais ça me manque, le marteau, l'enclume, le soufflet. Ah, et la chaleur d'une forge. Sans ce fumier de Vanor. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Je ne vais quand même pas accueillir un sorceleur avec des ravioles. Venez que je vous montre. D'accord, d'accord. Belle collection. Et le dessus du panier avec ça. Merci. Je les conserve comme souvenir. C'est dommage que vous n'en fabriquiez plus. Je remplacerai volontiers ce que j'ai pour de l'acier de cette trempe. Pourquoi gâcher un talent pareil à faire de malheureuses ravioles? Étonnamment, ça paie mieux. Mais surtout, c'est bien plus sûr. À vendre des ravioles, c'est rare qu'on disparaisse ou finisse estropié. Je vois.
Quelqu'un contrôle le marché de la forge à Novigrad ? Rien d'officiel. Mais toute la matière première va à Ernst van Horn. Et on dit qu'il jouerait aux cartes avec Surin. Fréquemment. Qui c'est ? Qui est cet Ernst van Horn ? Il a débuté modestement. Un petit atelier sur les quais, mais de très grandes ambitions. Sachant qu'il ne pouvait rivaliser avec les autres faiseurs d'épées sur le seul talent, il a recouru à d'autres méthodes. D'accord. D'autres méthodes ? Ouais. Un peu de calomnie par-ci, un rachat de dette par-là pour prendre le contrôle. Et sitôt qu'un concurrent est une ordure de non-humain, il l'accuse d'être un Afkar. C'est comme ça qu'il vous a piégé ? Oh, je ne me suis pas rendu sans combattre. Je suis allé à l'hôtel de ville pour tenter de négocier. Enfin, il était déjà sous la protection de Surin, et à Novigrad, on ne se met pas Surin à dos. Vous avez tenté de trouver un accord ? Avec Van Horn ? Vous plaisantez ? C'est un salopard fini. Soit on joue selon ses règles et on casque, soit on change de métier. Ah. Je vois. Mais je ne me plains pas. Les ravioles fournissent d'excellents revenus. Seulement, ma foi. Ouais. La chaleur de la forge vous manque. Vous avez tenté de vous fournir ailleurs ? C'est que la pègre contrôle toutes les ressources nécessaires. Comment suis-je censé négocier ? À moins que... Seriez-vous disposé à m'aider ? Non. Vous voulez que je vous aide à trouver des matières premières ? Comment ? En m'accompagnant à un rendez-vous. En tant que garde du corps, ça me donnera confiance en moi. Pour tout vous dire, il y a peu, j'ai voulu négocier une livraison de fer avec un gars du roi des mendiants. Un autre gros bonnet de la pègre, j'imagine ? Oui. Et à couteau tiré avec Surin qui soutient Van Horn. Seulement, il exige une part astronomique des profits. Je me suis dit que vous pourriez m'aider à négocier. Pas gratis, bien sûr. Je suis certain qu'on peut s'arranger. Pourrais-je choisir un élément de votre collection ? Le gars. Oubliez cette camelote. Je vous forgerai une épée apte à pourfendre un dieu. Oh. Je ne sais pas trop. La pègre, les criminels, je ne suis pas sûr d'avoir envie de m'y frotter. J'ai salement besoin de vous. Ce Van Horn est un fils de pute. Il faut lui donner une leçon. Je vous serai éternellement reconnaissant. Une armure de plate ? Topez-la. Ou vous préférez une catapulte ? Un trébuchet ? Je veux un château. Très bien. Organisez le rendez-vous. Formidable. Retrouvez-moi à la nuit tombée. Près de la grue. Sur les quais. Très bien. Bah, on va suivre cette quête. Ça danse bien. Et si je fais... Pourquoi t'es noir ? C'est con, on a brûlé toutes les sorcières. Ah là là. Eh ben, tu seras bien pas valaisan, toi. Ah, c'est juste là, on l'a loupé. C'est celui qui en a marre de vivre ? Ah non. Oh. À la nuit tombée, oui. Parfait. Scap, 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 scap. Il fait pas encore assez nuit. Ici, il fait assez nuit ! Voilà. Ah, il se déplace. Il y a une forge qui nous arrive dessus, tu sais. Bonsoir. C'est ici. Bonsoir, le gars qui nous espionne derrière. Barré. Je vous suis. Par-
gars derrière est un espion. Il nous observe. Vous seriez un chouette marin, une fois fini de dégobiller. L'homme du roi des mendiants. Son nom est Ferblanc. Que savez-vous de lui? Oh, pas grand-chose. Un sanguin. Ne surtout pas le provoquer. On a bien plus besoin d'un. Oh là là, elle va mourir, hein. Elle a chopé une maladie. Il me pousse, tu sais. Bonsoir. Ah, c'est le gars que j'ai bousculé, non? Qui c'est celui-là? Un ami. Alors voilà comment je vois les choses. Le patron en bisbille avec Surin, faut qu'il y trouve son compte. On a une proposition, et elle est non négociable. Surprenez-nous. Un approvisionnement régulier en fer, contre 50% des bénéfices. C'est une blague, c'est ça? On vous en donne 10. Gérald, qu'est-ce que vous... Chut. Faut pas jouer avec le feu. Je suis pas venu pour marchander, moi. 40, dernier carin. Non, mais c'est 25%. Trop, hein. Nommé quitté, toi. Tes conditions, roi des mendiants. On descendra pas sous les 35. J'aime bien, il descend, je sais pas. 25, c'est notre. Attention. Patron, avec une remise à la boutique. Il te manque une case, toi. Pas question. Allez, venez, les gars. Très bien, restons-en là. Bon, moi, tant pis. Qu'est-ce que vous... Attends. J'appelle savoir négocier. Allez, va pour 25. Et l'Aristo. Marché conclu. Entendu. Oh. Heureux de faire affaire avec vous. Le gars, tu sais. Pourquoi y'a des... Regardez qui v'là. Dis donc, fer blanc, l'alcool t'a ramodé le bulbe ou quoi? Si c'est le territoire de Surin, sac à merde. Sauvegarde, sauvegarde, sauvegarde. Qui c'est cela? Mais bon, vite. Gérard, qu'est-ce qu'on fait? Ça va, un coup de main, ce serait pas la peine, non. Ah, il a une arbalète, lui. Régène un peu. Gérald. Vous voyez, je vous avais dit, on va y arriver. Non, 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 non. Défoncez-le.
falloir qu'on bouffe. Oula, ils enlèvent vite les points de vie. C'est pour ça qu'il faut... Ok. Ok, on peut pas sauvegarder, dommage. En gros, il faut les prendre un par un. Alors, une fois. Et puis, on devrait réussir. Vas-y, prends-toi ça. Ok, c'est ça le problème, c'est quand ils arrivent tous en groupe. Brûlez encore un petit coup, ça leur fera du bien. Et voilà, 2-2. Une petite hirondelle. Hein. Allez, allez. Regardez, ils arrivent tous. Ah! Oh, j'ai eu peur. J'ai bien cru que j'allais rester coincé. C'est pareil, ils ne valent rien, c'est ça. Ils ont compris que l'union faisait la force. Ok, 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 ok. Un pain, un ping, un ping. Allez, vas-y, brûle. Ah, il a fini l'autre. Voilà. Attends, juste récupérer ce qu'ils ont les bandits. C'est bon, c'est calme. Ah, on est trop fort. Ou pas. Oh, une chemise. Bon bah c'est gentiment la fin de cet épisode. On va finir sur une belle victoire. On est quand même mort une fois. C'est vrai que quand on est au milieu de tout cela, c'est un peu... voilà. Bref, mais en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et à aller voir les autres épisodes si c'est pas encore le cas. Ce serait super sympa et j'ai vraiment besoin de vous. Bon, on va manger un oignon, voilà. Bon, allez, ciao tout le monde!